Bonjour, ici Best Garage. Donc aujourd'hui, on va voir un moteur de 2 chevaux, un 602 cm3. Alors comme vous voyez, il est entièrement ouvert. Hein. Ça, c'est la partie bas moteur. Maintenant, on va voir ce moteur-là. C'est un 602 cm3. Donc la première chose à faire, quand vous avez un moteur que vous devez remonter, donc bien sûr, il faut qu'il soit propre, sec, exempt d'absolument toute saleté. Donc celui-ci a été entièrement passé à la fontaine, nettoyé, soufflé, donc il est parfaitement propre et sec. Vous avez ici l'arbre à cam, voilà, donc il a été entièrement refait. Vous contrôlez, si c'est un vieux moteur bien entendu, hein. Vous contrôlez les bagues, vous contrôlez les cams, ici, là, enfin, les 4 cams, voilà. Vous contrôlez qu'il n'y ait pas de problème au niveau des dents, bien entendu, et l'usure en général. Il ne faut pas que vous ayez un arbre à cam complètement esquinté, hein, qu'il n'y ait pas de jeu nulle part. Alors la bague, je précise, quand vous la tournez comme ça, on sent une légère résistance, mais pas beaucoup, hein, c'est, vous voyez, c'est, ça tourne comme ça, voilà. Donc ça montre vraiment qu'elle est très bien ajustée. Ensuite, vous avez votre vilebrequin. Alors ça, c'est une pièce principale. Voilà. Alors ça, c'est le devant du moteur. Et ça, donc, derrière, pour mettre ici le volant moteur. Voilà. Vous avez vos deux bielles. Donc là, si c'est un vieux moteur, un vieux vilebrequin, vous faites la même chose, vous contrôlez tout. Donc ici, pareil, le jeu qu'il y a sur les paliers ici et là, voilà, comme ça. Alors il ne doit pas en avoir, hein. Si vous commencez à bouger comme ça, c'est pas bon, hein. Vous faites refaire. Voilà, quand vous le tournez, on sent une légère résistance, comme ici. Bon, bah là, c'est vraiment ajusté au centième de millimètre, c'est vraiment très très bien. Ensuite, vous contrôlez vos deux bielles. Donc, ici, ça ne doit pas pouvoir bouger, bien entendu. Comme ça, ça ne bouge pas. Hein. Vous avez des marges de tolérance. Je vais vous les donner après, parce que je ne les connais pas par cœur. Je vais vous montrer la feuille. Donc, il ne doit pas bouger dans ce sens-là. Ni dans ce sens là. Vous faites ça, vous devez absolument rien sentir. Si vous sentez un tout petit écart, vous arrêtez tout de suite, il faut le faire refaire. Et vous faites la même chose de l'autre côté, bien entendu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ensuite, si vous faites faire votre vilebrequin, c'est un professionnel bien entendu, il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça, il faut bien regardez qu'il soit équilibré. Donc il doit vous l'équilibrer. Voilà. Donc maintenant, vous avez votre arbre à cam, le vilebrequin. Ah, il tient pas celui-là, il m'énerve. Voilà, arbre à cam, vilebrequin. Il va falloir le mettre en place dans le carter moteur. Donc auparavant, avant de le mettre en place, on va regarder sur le pignon ici, on va chercher un repère. Alors le repère, ça peut être une grosse marque, une petite marque, un poinçon, ça dépend. Tout dépend des moteurs. Donc ici, on voit une marque. C'est un petit trait. Voilà, on le voit mieux. Voilà, vous la notez. Vous regardez sur votre prison. Et voilà. Ici, là, vous en avez deux. Une ici, une là.
rencontre. Voilà. Donc ces deux marques-là vous serviront de calage. Ça va être calé à ce niveau-là. Alors bien entendu, vous avez également la crépine. J'ai oublié d'en parler. La crépine, c'est à mettre en même temps que ça. Voilà. Donc, on va remonter l'ensemble. Alors bien entendu, tout est sec, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, il va falloir huiler les paliers. Les paliers et les parties mobiles. Bon, là, c'est huilé, là aussi. Mais on va remettre un petit peu d'huile. On va huiler ici, bien entendu, et on va huiler ici. Voilà. Bon, ici ça frotte pas, mais ça ira. Alors maintenant, on va huiler. Alors là, on va mettre la crépine. Alors la crépine, elle va dans la coche ici. Alors vous faites attention, vous regardez quand même. Ici, vous avez un trou, voilà, au trou ici. Ce trou-là communique avec le trou ici. C'est-à-dire, quand la pompe à huile va aspirer, la pompe va aspirer, l'huile va monter là, elle va venir ici, elle va huiler le palier. Donc il ne faut pas oublier, il faut que ce soit bien débouché. Hein. Donc la position... Elle est comme ça. Bon, on va le mettre après une fois que. Sur le demi-carter droit, vous trouverez les pieds de centrage du vilebrequin et un pied de centrage pour la roquin. Ensuite, vous contrôlez sur les bagues l'emplacement des pieds de centrage.